Hey tout le monde, c'est Tormo2z et donc aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, ce sera une vidéo sur FIFA 13, donc une vidéo glitch qui va vous permettre d'augmenter votre niveau plus facilement, donc le niveau général de FIFA 13 qui va vous permettre de débloquer des maillots, des accessoires pour Ultimate Team, toutes sortes de choses, donc des ballons, etc. Alors moi on peut voir en haut à gauche, je suis niveau 28 et j'ai 12675 points. Ça va aussi vous permettre d'augmenter vos pièces, donc je me suis trompé, ces pièces. Je vais essayer aussi d'envoyer cette vidéo à la Glitchac FR, j'espère qu'elle sera prise. Si elle n'est pas prise, bah tant pis. Donc on va commencer directement, donc il faut cliquer sur saison. Il y a un seul inconvénient, c'est qu'il faut être en division 9 et avoir fait 0 match. Et après, ça va être vraiment très simple. Vous cliquez sur match championnat. On attend le téléchargement et application des équipes en ligne, donc on attend que ça charge. Après ça, donc vous allez prendre l'équipe que vous voulez, il n'y a pas d'équipe spéciale à prendre, c'est vraiment l'équipe que vous avez déjà mise ou bien sûr peut-être prise maintenant. Alors vous cliquez, vous prenez tout ça, vous faites recherche, donc là ça va rechercher un adversaire et en fait ça, c'est là où tout va, il y a le glitch qui va se faire, on va dire. Alors c'est mieux d'être d'engager le ballon parce que ça, il y a tout qui va être plus rapide déjà, parce qu'en fait il faut quitter vraiment très rapidement. Dès que vous avez le ballon, il faut quitter systématiquement la partie, donc c'est pour ça que je dis c'est mieux d'engager le ballon. Mais après si vous engagez pas le ballon, il faut en fait éviter qu'il y ait une grosse action, et si parce que s'il y a une grosse action généralement c'est mort, et s'il n'y a pas de grosse action, vous touchez légèrement le ballon, vous le prenez, vous faites start et vous quittez le jeu. Alors c'est parti. Eh ben c'est moi qui engage, donc start, quitter la partie, oui. Et en bas à droite, on va voir, voilà, maintien en saison, 150 XP, 15 CFC. Donc ça vous donne pas énormément, ça vous en donne 150, mais 150 c'est mieux que rien. Sachant que la limite d'XP quotidien c'est 2000. Donc ça peut aller quand même assez rapidement aussi, donc ça vous donne des pièces, donc c'est vraiment très bon. Alors il n'y a aucun inconvénient, donc à part la division 9 et d'avoir fait 0 match en division 9. Sinon ce glitch est fini. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à plus tout le monde.